Salut, salut. Donc, comme vous l'avez vu dans le titre, on se retrouve pour un petit vol action, puisque je prépare l'anniversaire de Sam. Et ça se passe en pyjama, dans le canapé, avec le pied, enfin avec un plaid sur les genoux parce que j'ai froid, et un chien qui se pète l'incruste. Ah bah, deux chiens. Donc voilà, on a été hier rapido chez Action pour acheter de la déco pour l'anniversaire de Sam qui se passe demain pour moi. Non, après-demain pour moi, demain pour vous, puisque je tourne la vidéo pour demain. Comme ça, si jamais il y a des articles qui vous intéressent, j'aime pas faire traîner les hauls Action, parce que si jamais il y a des articles qui vous intéressent, vu que c'est saisonnier, ça bouge assez facilement. Par contre, Yuki, tu vas te mettre à côté. Non, 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 non. Alors déjà, on a acheté 3 étagères comme ça de coin en métal pour mettre dans la nouvelle douche, si elle est faite un jour. Est-ce qu'il donne une dimension là-dessus? Non, pas, ah si, 22 de côté et 9 cm, je ne sais pas c'est quoi 9 cm. Parce que là c'est 22, ah, là à mon avis ça fait 9 cm et demi en comme ça, donc avec 2 ventouses. Chéri va les enlever puisque il va les fixer avec des vis directement. Et sur les 3 qu'on a acheté, il y en a un, quelqu'un s'est amusé à enlever les ventouses. Donc à mon avis les siennes ne collaient plus et il en a pris les autres. Malheureusement Action n'a pas accepté de nous faire une réduction sur le truc. On l'a pris quand même parce que c'était les 3 dernières. Et que après on ne savait pas si on allait en retrouver. Donc on a pris quand même. Et voilà, ça fera bien dans le coin de la douche. Chacun a sa petite étagère pour mettre ses petits produits. Et voilà. Alors bien évidemment, l'action dit Cheetos. Vous avez l'habitude. Il y en a un pour moi, un pour George. J'ai également pris mes préférés, de chez préférés, de chez préférés. Les super chips deep American barbecue. Oh, je les adore ces chips, mais je les adore. On a trouvé un big nouveau panier pour les chichous. Quand je vous dis big, c'est big. Voilà, ça va prendre toute la place dans le haut de leur cage, mais Yuki, putain, il a failli tomber. Ils vont être bien dedans, à l'abri des courants d'air. Ça tient pas bien longtemps, hein, donc on en achète régulièrement, mais parce qu'ils les défoncent, hein, forcément ils les bouffent. Mais au moins c'est naturel pour mettre dans leur cage. Et voilà. J'aimerais bien que le chien vire de mes genoux. Alors, on a acheté des friandises pour les chiens, mais je leur ai déjà donné, je leur ai donné hier en rentrant. On a pris un gros jumbo comme ça pour le relâcher sur mes genoux. Pour Ryan, puisque ça fait très longtemps qu'il n'en a pas eu, on lui en achète pas régulièrement, parce que là, c'est pas assez naturel à notre goût. Et pour les deux petits, on a pris un lot de rodéo comme ça, donc il y en a 4, ils en ont mangé chacun 2. Ils se sont battus parce que Riley, après, voulait aller piquer ceux de Yuki. J'ai racheté un centre de table, c'est un noir en dentelle, donc en plastique comme ça. Mais non, c'est pas pour toi. C'est du vinyle quoi, et la taille 50 cm sur 1m80. Donc franchement c'est beau, c'est un effet de dentelle comme ça, donc je me suis dit voilà, ça changera un peu de l'autre que j'ai dû raccourcir puisque je ne sais pas qui c'est qui a coupé dedans, donc ça a fait un cran à l'intérieur et j'ai dû couper, donc il fait plus court sur ma table parce qu'il rend super bien encore, hein. Vous pouvez les couper comme vous voulez. Et je mets le petit sur ma table de salon. On a repris un lot de 3 essuies de vaisselle, voilà, tout simplement. Hein. Enfin, vous dites torchon en France, nous c'est essuie de vaisselle. Ils sont pas mal, mais il faut d'abord les laver une fois, sinon ils ne sont pas assez souples pour essuyer. Et ils sont pelucheux. On a pris une carte d'anniversaire pour Georges Yuki. Parce qu'il veut une enveloppe pour son anniversaire, donc on lui a pris une carte pour mettre ses petits sous dedans. Alors, on a pris 2 fois, donc je vais vous en montrer qu'un. C'est des dessous de casserole, enfin dessous de plats et tout ça, mais étirables. Donc si vous avez des grands plats, des grandes casseroles ou des petites, c'est super. Ça va de 23 à 39 cm, c'est en métal, très léger, hein, c'est pas hyper lourd. Mais je trouve ça super pratique, chérie, les amis. Il a dit, oh, on va en prendre 2 tout de suite. De toute façon, c'est pas perdu. Ça peut même servir de déco hein, sur votre table parce que c'est joli si vous mettez une belle décoration par-dessus.
Yuki. On a pris celle-ci, friandise aussi. C'est des chewy sticks. Il y en a 5 à l'intérieur. Voilà, donc moi un paquet comme ça, ça fait une fois parce que le petit en mange qu'une, mais les deux gros en mangent facilement deux le temps que lui il n'en mange même pas une. J'ai repris deux paquets de coton comme ça, voilà, j'arrive pas à utiliser pour démaquiller mes yeux, le maquillage de mes yeux, donc les fards à paupières, tout ça. J'arrive vraiment pas à utiliser les cotons réutilisables, donc voilà, je continue à utiliser ceux-là. Les cotons réutilisables, moi je m'en sers principalement pour mes lotions et compagnie parce que sinon je n'arrive pas. Voilà. Je les salis, ça fait des taches, je n'aime pas. J'ai appris une brosse comme ça en métal, enfin pour métal, c'est une brosse crat-crat, hein, je ne sais pas comment qu'ils appellent ça. C'est pour les joints. Je pense qu'il l'a pris pour nettoyer la plaque ou la grille du four, je ne sais pas trop. Mais il a pris ça. C'est pas évident avec un chien sur les genoux. Il a pris un sachet de bonbons comme ça pour lui et Sam. Voilà, il y a 13 mini paquets dedans. C'est de la marque Trolli. Ils aiment beaucoup cette marque-là. Attendez, hein, j'essaye de trier un peu pour faire le déco de l'anniversaire après. J'ai pris 4 ou 5, 5 je crois, paquets de nouilles. Voilà, moi j'adore ça, c'est un repas que... Vite fait, quand je suis toute seule à manger à midi, j'adore, ça va super vite. J'ai repris ceux-là pour Ryan parce qu'il les adore. Voilà, c'est vraiment ses préférés, ceux-là. Il aime trop, il préfère limite ça au Jumbo. Chérie a repris un paquet de 36 tabs pour la Senseo, sauf qu'il n'y avait plus les rouges, donc il a pris ceux-là. C'est du costaud. Donc, ça évitera peut-être qu'il s'endorme toutes les 5 minutes. Et il a repris deux. On avait tout un stock et on n'en a plus. Les rouleaux pour les poils. Et ici, avec trois chiens, deux chinchillas, quatre yogis, les poils, il y en a vraiment beaucoup. Donc c'est très utile. Mais on en avait plus d'où. Alors attendez, je trie ce qui est pour la fête. Il a pris ça pour Sam pour recharger sa manette et son casque sur la PS5 puisqu'il n'a que une prise USB, une sortie USB. Là c'est deux mini USB et deux USB classiques, mais normalement ça devrait être bon. Donc c'est une prise USB. Ah merde, c'est une mini USB. Pas de chance. Faudra voir si ça va sur sa truc. Sinon je crois que son téléphone c'est une prise comme ça aussi. Il faudra qu'il regarde. Chéri a repris des patchs comme ça pour le dos. Ici, on en consomme pas mal, mais ça fait longtemps que moi, j'en ai pas eu besoin. Et du coup, lui, il en a pris parce qu'il s'est fait. Il a la sciatique là, actuellement. Il marche comme un canard, comme un grand-père de 80 ans. Et il y a deux patchs à chaque fois à l'intérieur. Parfois, il y en a qui chauffent vraiment beaucoup. Parfois, il y en a qui chauffent normalement. Parfois, il y en a qui chauffent pas du tout. Mais ça fait quand même du bien, ça soulage. Il a pris pour Sam un paquet de Skittles de 152 grammes parce que Sam adore les Skittles. Alors, on a pris des boissons. Moi, j'en ai pris une parce que j'aimais bien le paquet. Alors, c'est pas pour moi parce que moi, je bois pas tout ça. Mais j'ai pris pour Sam, voilà, pour qu'il goûte. Limite, je pourrais goûter une petite gorgée dedans. C'est Candy Cane. Donc, voilà. Sparkling Winter Edition Zero Sugar. Donc, voilà. Il goûtera, hein, écoutez. Sam adore tout ce qui pétille. Donc, Et il a pris une de chaque pour eux deux. C'est des energy drink Mortal Kombat 300 ml. C'est pas les personnages sont pas notés dessus, mais les packaging sont super bien faits. Finishing et Fatality. Donc, si vous connaissez Mortal Kombat, c'est ce qu'ils disent à la fin. Des jeux quoi, enfin pendant les combats du jeu vidéo. Donc il a pris ça. Et alors pour la déco de table de Sam, j'ai pris des serpentins. Je vais en avoir besoin pour faire le centre de table. Il y a un jouet en dessous de mes pieds. Voilà, tout simplement. Puis je pense que je vais en mettre le long du centre de table.
J'ai trouvé, au lieu de ceux que je vous ai montré en vlog, que j'ai fait moi-même, et on a pris deux ballons. Alors on a dû chercher, hein, voilà, pour faire 17 pour son âge, hein, donc voilà. On a pris les multicolores, ils font 36 cm, et dedans vous avez une petite pique, donc ça ira avec les serpentins. Vous verrez ça dans le blog qui suivra l'anniversaire de ça. Et j'ai pris alors un pack comme ça de 5 petits godets en carton pour mettre les cacahuètes et compagnie. Comme ça, ça c'est bien festif et ça reste dans le thème. Et j'ai pris les mêmes en grand pour mettre les chips. Voilà, les toasts et tout ça, ça ira dans des plateaux. Mais comme ça, j'ai pris... ça sera bien dans le thème de son anniversaire. Et le reste, je vais voir comment je décore. Mais ça, vous verrez dans le vlog suivant son anniversaire. Qui est le 6 pour donc demain pour vous. Et donc, vous aurez le vlog là le mercredi. Voilà, bah c'est tout. Ça va, on n'a pas tant exagéré que ça. Bon, on en a quand même eu, je ne sais pas pour combien le ticket est là-bas, mais il y a quand même pas mal. Hein. Quand je vois là que tout est éparpillé. Oui, mais Yuki, les gratouilles, ça peut peut-être attendre que j'aille finir ma vidéo. Non? Allez, au moins les coucher, elle. Et pas sur moi. Hein? Dis bonjour. Tu dis bonjour. Bonjour. Il est dégueulasse. Ils ont été joués dehors déjà. Oui, parce que là, il est 5h30 du matin. Pour ça que je suis en pyjama, en pilou-pilou et tout ça, tout ça. Oui. Et donc, voilà. J'espère que s'il y a des petites choses qui vous intéressent, que vous les trouverez dans votre action. N'oubliez pas de mettre le pouce en l'air, de vous abonner si ce n'est pas encore fait. On se retrouve, je ne sais plus quand, demain, je pense. Oui, demain, c'est le crash test du calendrier Glam Shop avec Manon. Je vais éternuer. Voilà, et donc moi je n'ai plus qu'à vous dire bisous bisous.